discours président de la République, là, Jovenel Moïse, et bien qu'il est même en cadre cérémonie Assemblée nationale, ça, il vient présenter l'état général situation pays d'Haïti. Donc, le président de la République, là, pour commencer le discours, et bien, il a parlé de l'agenda législatif, exécutif, là, te soumettre au Parlement haïtien, qui te permet de voter une quarantaine de lois traitées à convention dans l'intérêt pays, dans l'intérêt population. Eh bien, agenda ça, eh bien, montrer que le pays a sous route pour. Merci, chers collègues. Et maintenant, j'invite le sénateur Pierre-François Sildor et la députée Raymond Rival à raccompagner le président de la République et le premier ministre au salon diplomatique. Merci. Ainsi que le président de la Cour de cassation. Merci. Donc, Jean Outap Suivla, amis téléspectateurs, c'est discours président République là, dans le cadre Assemblée nationale ça qui manquait ouverture première session ordinaire année législative 2018 là, puisque nous connaissons président République là, les mêmes poulté, comment ce discours là, et bien, il était parlé de agenda législatif, exécutif là, de soumettre à Parlement, et bien, qui te permet de voter une quarantaine de lois traitées à convention dans l'intérêt pays. Donc, et il faut ça à montrer qu'il y a sur le progrès d'après le président républicain Jovenel Moïse. Merci. Nous invitons les honorables sénateurs et députés à rejoindre l'estrade pour la réception après la fermeture. Les membres du gouvernement également à rejoindre le président. Les membres du gouvernement, les sénateurs, députés et les membres du corps diplomatique, après la fermeture, à rejoindre l'estrade pour la réception, ainsi que le corps diplomatique, le commandant-chef et les membres de la presse, les autres invités. L'ordre du jour étant épuisé et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare lever la séance à l'Assemblée nationale. Donc, séance en Assemblée nationale là, les mêmes les rivières dans Boutli, d'après sa présidente de l'Assemblée nationale là, les mêmes les sautent annoncer le V-séance là qui mettait fin dans la cérémonie ça. Donc, on a rappelé dans la cérémonie ça, et bien trois discours étaient marqués, et circonstances là, ces discours président de l'Assemblée nationale là, Yuri La Tortue, bilan activité gouvernement, premier ministre Jacques Guy Lafontaine, les mêmes les présentés, ensuite président de la République là qui présentait état général situation pays d'Haïti. Donc, présentation lieu, eh bien, les mandés opposition politique là pour être capable de dépasser davantage politique là pour assumer passer yo à tout ça qui positif et puis négatif pendant premier année mandat là, eh bien. Lui-même l'a dit, l'étendait avec un pilote intérêt. Président de la République l'a parlé, et bien discours, mon qui n'a opposition yo. Donc l'étendait yo à travers média yo, à travers toute l'autre et coulisses que opposition yo même yo prend la parole. L'a dit, Zak Vandalis n'a pas fait honneur aucun secteur à travers mon qui prend, qui campe dans l'opposition, et bien manifestation yo qu'on a fait qu'il a cause citoyen paisible perdu bien yo et l'état perdu bien yo. Donc il dit Zak Vandalis sa yo pas fait honneur à aucun secteur. Donc il souhaitait et bien moun sa yo même yo prend responsabilité yo pour yo connaître tout moun kap parler ni opposition ni parti qui sous pouvoir yo vle yon seul bagay pour pays a c'est bien-être pays a. Donc dans sens ça il souhaitait opposition en lui-même li seyon opposition constructive qui ca permettre et bien gouvernement lui-même aller vers l'avant. Il dit c'est seul une détermination sans faille qui capable aider et bien remonter à et
pays yo te gagné dans tant longtemps, donc yon pays côté tout haïtien yo même yo capable vivre sans que sauter. Li dit tout pluralité politique là c'est un élément vital pour réussir démocratie dans pays d'Haïti. Li renouveler détermination li pour continuer combattre corruption dans pays d'Haïti. Donc président République là lui-même li cité en série de nous ta capable dit décision ensemble avec action y a gagné pour yo poser dans année 2018 là. Donc c'est dans sens ça président lui-même li orienté discours li côté li dit pour année 2018 là la mettre structure en place pour permettre tout citoyen joindre document identité au plus facile. Ensuite pour yo dégager pour yo river reconstruire palais national, ensuite prendre décision pour palais législatif là tout côté pose première pierre li déjà faite pour yo river et reconstruire li et puis permettre à tout haïtien joindre assurance santé et puis pour moun yo capable joindre courant li parler en gros de industrie travail pour construire plus l'école l'hôpital et puis préparer jeunesse là pour capable connait qui ça yo veut li parler tout de yon méthode yo pral mettre gouvernement pral mettre en place pour faciliter moun gagner et connait qui le yo veut faire petite pour capable gagner contrôle pouvoir faire petite yo li tout li et président république là Jovenel Moïse li même tout parler de lancer état généraux nation sectoriel là et généraux sectoriel là et bien yon façon pour tout le monde capable de point de vue sur qui ça yo vle pour pays a comment yo vle pays avancer. Donc en gros c'est quelques nouvelle décision président lui-même li annoncé li pral appliquer pendant année 2018 là. Donc c'est comme ça et nous ta capable di discours président lui-même li té orienté pendant ta présenter état général pays a. Donc président république là lui-même et cap gagné pour participer et ensemble avec parlementaires yo et bien non et nous ta capable dit que la réception a organisé dans circonstance là donc nous ta capable dit tout donc c'est et là tout et bien cérémonie ça lui même les fini cérémonie qui était marqué assemblée nationale qui était marqué ouverture session et année législative ordinaire 2018 là que président assemblée nationale là Youri la tortue lui même il était présidé. Donc amis téléspectateurs nous était content pour nous être ensemble avec vous pour nous te permettre ou vivre étape par étape ça qui t'a fait le parlement jeudi lundi 8 janvier donc c'était surtout le parlement haïtien Anne Marguerite Auguste avec toute équipe mobile TNH qui te permet de vivre ça. Nous disons passer un très bon moment sur télévision.